Bon, je re-salue tout le monde. Alexandre avec vous. Comme vous le savez, je suis toujours en train de parler pour un complot des terroristes, des gens qui sont en train de tuer les enfants, etc. Et puis des choses insupportables qui personne ne va supporter ça dans sa famille. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ils disent qu'il va passer ma tête et après il va arriver vers les autres, ça m'intéresse pas. Et c'est totalement la faute. Pourquoi? Parce que s'il va arriver vers les autres, il va arriver vers toi. La femme là qui vous êtes en train de voir, si elle aime, je veux dire, si elle qui est en train de violer votre dos. Et si quelqu'un est en train de violer votre dos, ça veut dire que vous allez obéir à ses lois et ses droits. Pourquoi? Parce que eux, ils vont faire des photos et puis, ou bien des vidéos. Et après, ils vont vous autoriser comme un objet. Et il arrive sur cet objet jusqu'à qui vous violez votre famille. Seulement parce que vous avez honte ou bien vous avez peur. Et la preuve, il y a des policiers qui sont là à Bienne, puis bien en Suisse. Et puis ils ont peur de cette femme. Ils ont peur de cette complot. Ils connaissent pas exactement qui c'est elle qui est en train de faire. S'ils connaissent qui c'est elle qui est en train de faire, peut-être qu'il y a quelqu'un courageux qui va faire quelque chose. Et puis, ce que je suis en train de voir, c'est insupportable. En tout cas, cette femme-là, moi, j'ai habité à la rue d'Hirondelle entre le 2014 et 2000, 2016, la fête de 2016. Et elle, il a habité à côté de moi. Pourquoi il est venu après habiter à côté de moi? Parce qu'elle est tombée amoureuse de moi. Une vieille femme, son fils, il est vieux, et elle, ils m'y suivent. Elle est amoureuse de moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi, je suis un prince à la base. Et puis, ils savent que je suis un fils génétique. Ça veut dire, si je vais être avec elle, le danger, il ne va pas approcher d'elle. Il a commencé à m'attaquer, et puis, avec beaucoup de façons. Jusqu'à qu'il a pensé que moi je vais le obéir. Moi je vais pas obéir ni elle ni quelqu'un d'autre. Il n'a pas compris qu'elle est pas belle pour moi. Il n'a pas compris qu'il est plus vieille que moi. Il a continué à faire le combat contre moi. Et moi, j'étais en train de le publier. Comme vous êtes en train de voir, six photos, il y a beaucoup de vidéos, des choses là que j'ai fait, publier sur le web, montrer son visage à tout le monde pour dire que vous n'êtes pas belle et je t'aime pas. Mais elle, il a continué. Il a continué à faire son trait. Il commence à dire, voilà, c'est la mère de ses enfants, avec ses doutes, c'est elle qui est en train de faire ça. Si la mère de ses enfants, la mère de mes enfants, et moi je suis sûr qu'il fait ça, moi je connais la place où il habite, la mère de mes enfants. Pourquoi moi je ne dis pas à tout le monde que c'est la mère de mes enfants qui fait ça? Pourtant que je ne vois pas mes enfants. Alors, c'est pas la mère de mes enfants, c'est elle. Si elle aime la Georgienne qui fait ça, qui est en train de violer votre dos. Après les jours-là, il m'a montré, ils ont envoyé avec, comme vous savez, avec les cookies, etc. Votre recherche, s'il y a des pirates avec elle, en tout cas les pirates, c'est des transsexuels. S'il y a des gens, ces gens-là, alors automatiquement tu vas voir des stories.
On a tombé sur une femme russe, riche, qui fait sa vie. Et cette femme russe, il lui ressemble un petit peu. Mais en tout cas, la femme, la russe que j'ai vue, elle est belle. Et puis, les filles qui sont avec elle, elles sont belles. Ça veut dire, elles ne lui ressemblent pas. Et puis, jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de faire ses doutes, etc. Moi, je vous promets, je vous dis que c'est elle qui est en train de faire ça. Elle et l'Africain qui est avec elle. Et c'est elle qui dirige. Pas quelqu'un d'autre. C'est elle-même. Et tous les autres, ils ont peur d'elle ou bien ils sont en train de faire qu'est-ce qu'il dit parce qu'ils sont avec elle. En tout cas, personne ne va réussir d'être sauvé. Par exemple, il va dire un jour, il va dire, ah, parce que c'est elle qui me dirige. T'as fait une faute, t'as fait une faute. Si quelqu'un, il va tuer quelqu'un. Et tu dis, un jour, tu dis, ah, voilà, parce que c'est eux-là qui m'ont obligé de faire ça. Non, tu vas passer ta période de prison. Peut-être que le juge, il va vous faire moins, mais tu vas passer ta période de prison comme un criminel, traité comme un criminel. Et si vous savez, si le réseau là des pédophiles, etc., les tueurs des enfants, ils vont s'ouvrir en prison. Et puis, il y a quelque chose d'autre, il y a la fille là qui s'appelle Amina. Amina, elle est avec elle. Et je l'ai vue plusieurs fois avec elle. Et puis, Amina, j'ai déjà signalé elle à la police fédérale. La police fédérale, ils ont peur d'elle. Alors, c'est où mon problème, moi? Moi, j'ai signalé, j'ai dit qu'elle, elle a habité à côté de moi, la rue des Hirondelles. Elle a habité la rue du contrôle numéro 4. La rue du contrôle numéro 4. Et j'ai déjà signalé même où il a habité et quelle date à cette place. Et puis, elle, il pense jusqu'à maintenant, il pense qu'ils vont rien faire avec elle. Il pense que le jour-là qu'ils ont cassé à mon nez, ils vont rien faire avec elle. Le jour-là qu'ils m'ont trompé. Le jour-là de l'Africain que j'ai dit qu'il est avec elle, qui m'a attaqué avec un poignet américain. C'est ses ordres. Ou bien lui, il veut le protéger. L'important, de toute façon, ils sont tous ensemble. Alors, c'est ça le plus important pour le moment. Et pour dire que cette femme, c'est une terroriste, et c'est elle qui lui a tiré vos enfants. Et partout dans le monde. Ça veut dire elle n'a rien à foutre de votre drapeau. Et vous êtes en train d'obéir à ces lois. C'est comme on voit les policiers là qui sont là à Vienne, qui sont en train d'obéir de ces lois, et puis ils n'ont rien à foutre. Alors, moi, de toute façon, moi, je vais me défendre. Et si eux, ils sont capables de faire quelque chose, alors ils vont le faire maintenant, et moi, je vais commencer à faire qu'est-ce qu'il faut. Et on verra c'est qui qu'il va gagner et c'est qui qu'il va perdre. Moi, je te souhaite. Maliafam, je te souhaite d'aller en prison et pendant longtemps jusqu'à ce qu'Alexandre va récupérer son nom et après il aura la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.